Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouvel atelier pratique visant à vous expliquer comment resynchroniser correctement un sous-titre décalé. Je vous rappelle préalablement qu'il est interdit de télécharger des fichiers vidéo ou de films ou de séries sans disposer d'un original acheté légalement. Par contre, si comme moi, vous souhaitez pouvoir lancer votre film depuis n'importe quel support de votre maison, ordinateur, tablette, téléphone, télé, et que vous avez pour cela besoin de les stocker sur un NAS, vous êtes peut-être déjà arrivé de tomber sur un film protégé par un système anti-copie, malgré la loi française vous autorisant à la copie privée. Dans ce cas, pas d'autre solution que de télécharger le film ou la série en question. Mais voilà, après l'avoir téléchargé, vous avez bien évidemment choisi la version originale pour profiter pleinement du jeu des acteurs, vous avez besoin des sous-titres. Et après, vous avez besoin que ces sous-titres soient bien calés par rapport aux scènes. Je vais vous montrer aujourd'hui où trouver les sous-titres de vos films ou séries, et comment les retimer s'ils ne sont pas bien calés par rapport à votre vidéo. On parle bien sûr ici de les retimer totalement, pas simplement de gérer un décalage de plus ou moins quelques secondes qui serait constant sur l'ensemble de la durée de la vidéo. Il arrive régulièrement que le décalage augmente au fil de la vidéo ou diminue pour venir ensuite s'inverser. Dans ce genre de cas, on va pouvoir voir comment remettre tout d'aplomb pour que ça soit exactement sur la bonne durée. Pour cela, on va utiliser le logiciel que vous voyez ici, donc Subtitle Modifier, qui va vous permettre en fait de caler le premier et le dernier sous-titre du film et de remettre tous les autres en conséquence en fonction des durées que vous aurez choisies. On va donc le télécharger, l'installer, et il se présente donc comme ceci. Donc Subtitle Modifier est le seul que j'ai trouvé pour l'instant qui soit à la fois gratuit, facile d'accès en termes d'utilisation, et qui vous permette de faire les modifications adéquates sans être obligé de reprendre chaque sous-titre un par un. Vous allez pouvoir lui dire que vous voulez simplement changer le premier sous-titre, le dernier sous-titre, et une fois que ça c'est fait, d'appliquer l'ensemble de la modification pour que tous les autres se décalent en conséquence et restent bien timés. Donc l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, c'est celui d'un film que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Time Out, ou In Time en version originale, qui est sorti en 2011. C'est un film que j'ai acheté en Blu-ray dès sa sortie, mais qui est donc associé à un système anti-copie. Je n'ai donc pas pu faire la copie de mon Blu-ray quand j'en avais envie. J'ai donc, pour pouvoir le mettre sur le NAS, dû le télécharger et dû trouver des sous-titres. Sauf que les sous-titres que j'ai trouvés ne correspondaient pas à la version que j'avais téléchargée, j'avais un décalage. On va donc se rendre compte au travers d'une courte scène ce que peut donner ce décalage. Donc là on arrive dans le bar, où le personnage principal est en train de discuter avec le riche homme venu ici, et où il y a donc des méchants bad guys qui arrivent. Je vous laisse constater l'écart entre la vidéo qui se passe et les sous-titres. I don't think you understand. You should not be here. Voilà, donc comme vous le voyez ici, les sous-titres sont totalement, mais alors totalement décalés par rapport à la vidéo. On se retrouve avec quelque chose qui n'est pas du tout compréhensible, même si on comprend les phrases qui vont avec les sous-titres, le décalage est trop important pour suivre le film de manière optimale. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va aller chercher le sous-titre. Je ne vous ai pas montré comment aller le chercher, celui que je viens de trouver. Pour ceci, vous pouvez aller sur ce site. Vous allez trouver les sous-titres d'à peu près tous les films et toutes les séries existantes. Une fois que c'est fait, vous allez l'enregistrer avec le même nom que votre fichier. C'est-à-dire que là, par exemple, mon fichier s'appelle timeout.mkv. Donc je vais renommer mon sous-titre timeout.srt. Comme ça, quand vous allez le lancer avec VLC ou avec n'importe quel autre logiciel compatible, il va automatiquement vous lancer le fichier de sous-titres. Le problème étant donc ici que les sous-titres ne sont pas calés comme ils devraient. On va donc ouvrir le fichier de sous-titres, rouvrir la vidéo, et on va en fait aller chercher le moment où le son va commencer pour voir à quel moment de la vidéo le premier mot est prononcé.
Là, on voit que le premier sous-titre s'est affiché alors que pour l'instant, personne ne parle. Et là, nous avons donc la première prononciation qui, dans la vidéo, se passe à 1 minute 05. On va préalablement faire un clic droit sur VLC, outils, informations sur les codecs, et aller vérifier en fait le nombre d'images par seconde qui est de 23 976. Une fois que vous avez cette information là, vous revenez dans le logiciel, vous allez ici sélectionner 23 976, et ensuite vous allez dire la première phrase où parle le personnage, qui est « je n'ai pas le temps » ici, qui est donc la ligne numéro 2. Vous allez dire ici, la ligne numéro 2, je ne veux pas qu'elle commence à 53 secondes 67, je veux qu'elle commence à 1 minute 05. On va considérer que la dernière ligne, elle, est bien placée. J'ai donc choisi le bon framerate, le bon début. Je clique sur Transform. Il me dit qu'il a changé 2161 lignes de sous-titres et qu'il a donc retimé l'ensemble. Je sélectionne ensuite avec CTRL plus A sur mon clavier l'ensemble du sous-titre, puis CTRL plus C pour le copier. J'ouvre mon fichier de sous-titres et je recolle l'ensemble de mon sous-titre que j'enregistre. Je vais donc fermer ma vidéo, la relancer, et on va aller vérifier que déjà ça démarre bien au niveau d'une minute 05. Et là voilà, au moment où le personnage commence à parler, on voit que le sous-titre démarre en même temps. Maintenant, on va aller voir dans une autre scène pour vérifier que c'est bien calé, et on va faire plusieurs scènes tout au long du film pour vérifier que tout est bon. Voilà, on se rend compte que maintenant l'ensemble du sous-titre est bien calé, puisqu'on a choisi le bon framerate, qu'on a bien calé le premier et le dernier sous-titre, et donc comme les écarts de temps sont par contre souvent bien faits dans un fichier de sous-titres qui vous est fourni, et ben l'ensemble des autres phrases intermédiaires se retrouvent calées comme il faut. Si vraiment vous avez quelques phrases qui vous embêtent à un instant T du film, il suffit d'aller les trouver. Et si par exemple c'est la 810 qui vous pose problème, bah ici de dire la ligne 810, je veux qu'elle commence à tel moment ou qu'elle commence donc plus tôt ou plus tard. Vous allez réappliquer entre la 810 et l'autre pour corriger de nouveau un effet qui aurait pu se glisser. Mais normalement, si vous avez choisi le bon framerate, le bon timing de début et le bon timing de fin, vous devez avoir un sous-titre parfaitement calé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de corriger ce problème et qu'elle vous permettra de regarder les films que vous aurez téléchargés donc de façon légale ou dans le cadre de votre copie privée de la manière la plus agréable possible.